recherche de fuite. La Florissine est sortie ici. Hein. On voit bien, il y a eu dégâts des eaux, inondés depuis 3h du matin avec ce temps de pluie. On voit bien. Hop. Bien, je vais mettre du silicone. Et en fait, ça fuyait d'en haut. Mon test. Pas de problème au niveau de la descente de chenon, pas de fuite, pas d'infiltration à ce niveau-là. Par contre, fuite autour de la chenon, mais pas ici exactement. Si vous voulez, l'eau remonte. On a une sortie ici, une évacuation ici. On a une autre évacuation ici, sous le vélo. On a la descente de chenon, l'autre descente de chenon, plus une source qui se trouve ici, hein, on la voit sortir, hein. Et à ma droite, on a on voit bien ma florissine, hein, qui sort quelques gouttes, mais ça je ne l'ai pas mis dans la chenon, je l'ai mis autour de la chenon. Et si vous voulez, le niveau d'eau partant depuis remonte et passe autour du chenon, tout simplement. Et on voit bien les traces mouillées autour des boisseaux, hein, à peu près 70 cm, et va s'infiltrer chez monsieur. Ça vous convient?